Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus. Il a plu à Dieu de nous prêter encore une fois de plus la vie. Et nous vous convions de lire avec nous le livre du docteur Luc, le chapitre 15, les versets 11 à 32. Mais nous n'allons pas le lire tout. Nous allons lire de 11 à 20. Et là, nous allons comprendre qu'on nous parle d'un homme. Donc, qui avait deux fils. Et nous voyons le comportement du cadet. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Verset 15. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des garouches que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant entré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me leverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Amen. Amen. Nous allons lever bien les bras, mes bénins. Aye, où bleu bénin. Nous trouvions velé à mes adessi. Aye, où demain de vito. Blona fufu bénin. Fufu. Cho enua ope akpa signé tonyelana. Aye, woma enua o menao. Aye, maden keke gede adekeo. Nous trouvions de vito là. Foyebe nuwo kata nufu, eye wovu, heyi anyigba didi adeji. Eye afima, wogblebe nuwo le, ble akbe badabada nono. Ke esi, wogble uwo kata vola, eduwame sesea de, eduwame sesea de va, anyigba makata anji. Eye rien de asi etutume. Eye woyi. Dacho edo kri lede anyiba ma fe dua dumetoa deun. Aye udon ede efe abome be wanyi hao. Aye udibe yacho akanyi si hao dunala ade yefe dome. Ke ameade ke mene o. Ke esi woyi edo kri mela eglobena. Fofo nyepe agbate do wala ne niye po abolo sobo. Ke nyela, mele chochrom le dua, le do wameta. Ma chitre, eye mayi fofo nyebo. Eye magbolo nebena, fofo. Me wonu vonde jipo, ple untio. Nyeme gajebe na yombe vi o. Be vi o o. Wom, abe wo dola o, do metode ka ene,
aye na chitre aye wo chitre va fofo agbo ke esi wo le moji vi bonala fofo apo e aye e fe do metro de eun aye wo fudu da je fe koji aye wo dudonu ne amen amen. Notre Père, notre Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom en ce moment et te confions cette parole. Donne-nous l'esprit d'interprétation, permets-nous de l'interpréter dans sa simplicité et dans toute sa puissance. Que le peuple soit sanctifié par ta parole au nom puissant de Christ, notre Sauveur et Libérateur. Père Saint, nous avons prié. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous venons longtemps la paix dans la main. Le texte que nous venons de lire nous montre clairement la vie d'un homme ou d'une famille. Le père avec ses deux fils. Et le Seigneur en donnant cette parabole pour nous montrer clairement comment nous devons vivre. Dit que le plus jeune a demandé des biens. En temps normal, c'est après la mort du père que les enfants deviennent propriétaires des biens. Mais ici, le plus jeune a réclamé les biens, sa part pendant que le papa était vivant. Alors il y a un problème. Ça veut dire qu'il est pauvre moralement et spirituellement. La psychologie dit, si tu ne contrôles pas tes émotions, elles seront utilisées contre toi. Tu dois entraîner ton esprit à être plus fort que tes sentiments. Ou bien tu perdras à chaque fois. La pauvreté morale et spirituelle est un problème pour l'homme. La Bible nous trace ici la pauvreté de ce jeune garçon ainsi que son frère. Le tepe ya la, Bible ya le pour nami koude de vivitoa. Les deux enfants étaient pauvres, moralement et spirituellement. La parole de Dieu dit, le plus jeune ayant reçu tous ses biens, quitta le pays et alla très loin de ses parents. Ayant dépensé tous ses biens, une grande famine s'abattit sur le pays. Il était contraint de chercher du travail. Mais ce qu'il a trouvé, c'était de prendre soin des porcs. Mais il faut travailler jusqu'à la fin du mois pour être payé. Mais il avait faim. Et la parole de Dieu dit qu'il voulait manger la nourriture des porcs. Là, on l'a surpris et on l'a chassé
Et il revint en lui-même. Et il dit, que mon père, les serviteurs et servantes mangent à leur faim. Et moi, je souffre ici. Il décida de retourner vers son père. Lorsque le papa l'a vu de loin, ému de compassion, il alla à sa rencontre. Il l'embrassa dans ses bras. Il lui donna des baisers. Et dans cette joie, le papa demanda ce qu'on le lave. Ce qui veut dire qu'il était sale. Il y a des jours, il n'a pas trouvé le savon ni l'eau. On l'a lavé. On l'a habillé. Et maintenant, son papa demande d'organiser une fête à son intention. Qu'il est revenu. Le perdu est revenu. Le mort est ressuscité. Mais le grand frère était dans les champs en train de travailler. Du retour, il entendit les bruits de la musique. Et il demanda, qu'est-ce qui se passe? Ayant reçu la nouvelle, se mit en colère. Il ne voulut plus rentrer dans la maison. Mais son père le parla, le raisonna, et il a compris que lui aussi, il était pauvre moralement et spirituellement comme son petit frère. La pauvreté spirituelle et morale crée du problème. Et nous devons arrêter d'être pauvre moralement et spirituellement. Bien aimé dans le Seigneur, cette pauvreté était depuis longtemps. Et ça a détruit les gens. Et aujourd'hui, ça détruit aussi les gens. Le prophète Jérémie, au chapitre 5, les 6 premiers versets en fait mention. Il montre clairement le danger de cette pauvreté spirituel et moral. Jérémie 5, les 6 premiers versets, la Bible déclare. Parcourez les rues de Jérusalem, regardez, informez-vous, cherchez dans les places s'il s'y trouve un homme, s'il y en a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité, et je pardonnerai à Jérusalem. Mais quand ils dirent l'Éternel est vivant, c'est faussement qu'ils jurent. L'Éternel, tes yeux n'aperçoit-il pas la vérité? Tu les frappes et ils ne sentent rien. Tu les consumes et ils ne veulent pas recevoir l'instruction. Ils prennent un visage plus dur que le roc. Ils refusent de se convertir. Ils disaient, ce ne sont que les petits. Ils agissent en insensé, parce qu'ils ne connaissent pas la voie de l'Éternel, la loi de leur Dieu. J'irai vers les grands et je leur parlerai, car eux,
ils connaissent la voie de l'Éternel, la loi de leur Dieu, mais ils ont tous aussi brisé le joug, rompu les liens. C'est pourquoi le lion de la forêt les tue, le loup du désert les détruit, la panthère est aux aguets devant leur ville. Tous ceux qui en sortiront seront déchirés, car leurs transgressions sont nombreuses, leurs infidélités se sont multipliées. Amen. Je crois qu'on va aller directement. Bien-aimés dans le Seigneur, face à la pauvreté morale et spirituelle des habitants de Jérusalem, sous l'inspiration, le prophète Jérémie en parle. Dieu dit, parcourez la ville, cherchez, fouillez, si vous trouvez des hommes qui pratiquent la justice, la vérité. Dites-le-moi, et je pardonnerai à Jérusalem son péché. Mais ils ont parcouru, ils n'ont rien trouvé. Pourquoi? Parce que les gens ont oublié la loi de leur Dieu. Ils ne reconnaissent plus la voix de l'Éternel. Cela est dû à une pauvreté morale et spirituelle. Lorsqu'on est pauvre moralement, lorsqu'on est pauvre spirituellement, on ne reconnaîtra plus la voix de l'Éternel. On ne reconnaîtra plus notre Dieu. Nous pensons qu'il est autre. Parce que la pauvreté nous a aveuglés. La pauvreté nous a amené la misère. Et nous pensons que Dieu ne nous supporte plus. Dieu n'intervient plus dans nos affaires. Il reste Dieu. Il demeure Dieu. C'est pourquoi il dit, cherchez, fouillez dans les rues, partout, si vous trouvez des gens qui pratiquent la justice, la vérité. Je vais leur pardonner. Autrement dit, je vais leur guérir. Bien aimé dans le Seigneur, la pauvreté morale et spirituelle est un danger pour le chrétien. Et tout chrétien pauvre moralement et spirituellement risque de ne pas atteindre le royaume de Dieu. Et le prophète dit, cette pauvreté a créé des lions, des ours, des panthères qui rugissent et qui nous détruisent aujourd'hui. Quand le prophète parle de ces animaux carnivores, il parle des choses spirituelles. Cette pauvreté nous crée des problèmes, des esprits mauvais lutte contre nous, nous détruisent et nous n'arrivons pas à les résister parce que nous sommes pauvres moralement et spirituellement. Et les portes sont ouvertes et les puissances des ténèbres nous envahissent.
Aïe, victime, avant nous, saint au catao, théâtre, nous souffrons. Nous gémissons. Parce que la pauvreté a créé une crise en nous. La parole de Dieu nous dit clairement que le démon ne peut pas habiter un chrétien. Non, il ne peut pas. Mais s'il faut qu'il habite, il faut d'abord lier le Seigneur Jésus-Christ avant d'habiter un chrétien. C'est ce que le Seigneur lui-même nous a dit. Mais il crie contre nous. Voilà. Il crie dans nos oreilles. Il nous bloque la voie de la réussite. C'est pourquoi le prophète dit, le lion crie contre nous. Les panthères sont aux aguets. Ils cherchent à nous saisir, à nous détruire, à nous déchirer, parce que nous sommes pauvres moralement et spirituellement. On n'adore pas Dieu dans cette pauvreté. Tout pauvre moralement et spirituellement n'arrivera pas à adorer Dieu. Combien de lions rugissent contre toi, frère? Combien de ours sont aux aguets à cause de cette pauvreté qui t'anime? Bien aimé dans le Seigneur, le texte que nous avons lu nous montre clairement que les deux enfants sont pauvres. Le premier a dissipé tous ses biens dans la débauche. Mais le deuxième n'a rien touché. Mais écoutez la parole. Quand l'aîné est revenu, il dit à son père, moi je suis avec toi toujours, mais ton fils le bandit là, lui il a pris sa part, il est parti dissiper ça avec les prostituées. Et aujourd'hui, il revient. Et tu organises un festin à son honneur. Moi qui est avec toi. Tu ne m'as jamais donné même un petit cabri pour que je puisse me réjouir avec mes amis. Mais pour ce bandit, tu as tué un taureau. Et il fête. Il est content. Et moi, la réponse de son père l'a révélé clairement qu'il était pauvre en esprit et moralement. Le papa dit, hein, tout ce qui est ici là, ce n'est pas pour toi. As-tu pris un animal pour ta fête et je t'ai refusé? C'est pour toi. Mais si tu n'as pas pris, tu es responsable. Le Seigneur nous dit que l'or et l'argent l'appartient. Le monde est dans sa main. Et il nous dit qu'il est avec nous tous les jours. En temps normal, l'enfant de Dieu est le plus heureux. Il ne manque de rien. Dieu a mis tout à sa disposition. Et
ta son dégo. Mais la pauvreté nous a aveuglé les yeux. Voilà, aheda datu bankunami. Que nous n'arrivons pas à voir tout ce que Dieu a mis à notre disposition. Ouais, ben, mais ten pona nu yo kata ma ou djrado so daremia bo. Et nous vivons comme des orphelins. Ouais, ben, mi le agbenom abe tu es vieux nene. Oh, Jésus nous dit. Voyez, sublonami be. Je ne vous abandonnerai point. Ne mag blemi dio. Je serai avec vous tous les jours. Mais le blemi be ocho be. Tous les jours. Be si agbe. Il est avec nous. Il est légal plémi. Et pourquoi nous souffrons encore? Nous kataye mi galefo pempeo. C'est la pauvreté morale et spirituelle qui a créé cette crise en nous. Susu me plegbobo me gomesi yaba hedadala ye rien kame yaba. Le frère a compris. Aye non vi non vi assez gomé. L'aîné a compris que réellement tout ce qui était là, c'était pour lui, c'est pour lui. L'autre a déjà pris sa part, il est parti. De ce qui reste là, c'est pour qui? C'est pour lui, non? Il a le plein droit d'utiliser ça comme il le veut. Comme l'autre aussi est parti pour utiliser. Lui devait utiliser ça. Mais comme il est pauvre spirituellement, comme il est pauvre moralement, il attend. Et il est resté comme ça. Mais c'est ce jour-là, quand son papa l'a dit, il a eu les yeux ouverts. Il fut guéri de sa pauvreté. Il dit, c'est vrai, c'est pour moi. Je ne devais pas faire quelque chose encore. Il suffisait simplement de dire à mon papa, je veux me réjouir avec mes camarades. Je veux manger tel repas. Je veux tuer tel animal. Et le papa dira, ok. Et il serait dans la joie. Mais la pauvreté morale, la pauvreté spirituelle, l'a mis vraiment misérable. Et il était jaloux maintenant de son petit frère qui était de retour. Et il était normal qu'on puisse se réjouir avec lui parce qu'il est perdu parce qu'il était mort. Et quand il est revenu en lui-même, lorsqu'il fut guéri de sa pauvreté, lorsque son esprit est revenu moralement, il est revenu, il devient conscient. Dans la maison de mon père, il y en a la nourriture. Les serviteurs mangent à leur faim. Et voilà là où je me trouve. Je me leverai. Je retournerai vers mon père. Et je lui dirai la vérité. J'ai péché contre le ciel. Et contre lui-même. Il me prend comme l'un de ses serviteurs. Pour que je trouve à manger. Une bonne décision. Nous devons être conscients de notre état. Conscients que nous sommes pauvres. Conscients que nous sommes misérables. Conscient que les lions rugissent contre nous. Conscient que les ours, les panthères sont aux aguets pour nous déchirer. Et nous devons être avec notre Dieu. Lorsque nous sommes avec notre Dieu, ces animaux n'auront pas de pouvoir sur nous. Bien aimé dans le Seigneur, le serviteur en
faillite dans Matthieu 18, les versets 23 à 25, a démontré aussi cette pauvreté morale et spirituelle. Les Matthieu va balayer mais t'as oui et ni peu pour éblouir votre ton, tu as éblouir votre ton lié à Dieu, donc tu l'as déjà gardé. Gardé. Il est fait. Et dada le sous sous mais va appeler beaucoup mais de confier la TV ma. Plusieurs. Mais Gédéo souffre aujourd'hui. On le fout pas mais bien. Chrétien. Christ auto. Nous souffrons. Mais le fout pas. À cause de cette pauvreté. Que le Seigneur nous vienne en aide. Que nous soyons conscients. Que la parole de Dieu nous conscientise. Que le Seigneur nous a donné tout pouvoir. Il nous a donné l'autorité sur tout ce qui est sur la terre et dans les airs et qui nous donne le pouvoir de marcher sur le diable, de marcher sur les puissances démoniaques, de vivre sans crainte, parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Bien aimé dans le Seigneur, combien en souffre aujourd'hui encore. Les gentils dans Éphésiens 2:12 démontrent aussi leur pauvreté morale et spirituelle. Bien aimé dans le Seigneur. Mais l'église de Laodicée, voilà, Laodicée après Hamela, a montré sa pauvreté morale et spirituelle. Et voici ce que le Seigneur déclare dans Apocalypse 3, le verset 17. Qu'est-ce que le Seigneur dit à l'église de Laodicée? Comment elle a été pauvre? Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, et nuit, verset 18, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux enfin que tu vois. Amen. Amen. Elle a bena eglona be yenye kesinoto eye kesino nule ici eye nane ke me hia e o eye menya ebe hiato ple nublanito ple koto ple nkwa gbato ba ple amama nola nenye o mele adam dum na obe na plesika si wololo le jomela le asigne be na suke sinoto ple avoyi be na chon ne wo mpe pe na gaje o ba ple nkutike be na side wo nkuo be na ponu. Amen. Amen. Regardez comment l'église de Laodicée. Mais pour aller y aller, on dit qu'il y avait Hamela. Elle se disait qu'elle est riche. Elle ne manque de rien. Elle se vantait. Mais le Seigneur dit, non, tu es pauvre. Tu es misérable. Tu es nu. Tu es aveugle.
Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous les chrétiens, nous nous vantons que nous avons un Dieu, que nous sommes bien, surtout les charismatiques. Oh, on sait chasser les démons, on sait faire ceci, on sait faire cela. Oui, venez dans mon église, venez voir. Venez recevoir votre guérison. Venez, je vais vous délivrer. Venez, je vais vous ouvrir les portes. Tout ça, nous entendons. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais Jésus a dit ici à l'église de l'Odyssée. Voyez sous blona l'Odyssée qui avait ramé à la fille et Bena. Tu te vantes. Et ben ne la glotum. Mais quand moi je te regarde. Voilà y a mal les pauvres. Tu es pauvre. Ne y a hédala. Tu es pauvre. Ne y a hédala. Misérable. Y a ton nion. Aveugle. Aya ne gagne quoi batoké. Nuit. Ne la maman. Combien de chrétiens sont aveugles, nuits, misérables, comme l'a dit le Seigneur à cette église. Christ, ton ennemi, on y a un quoi bateau, on y a un tour bâclé la maman, à belle et après toi, les glorieux la dit qu'il y avait amené. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas la taille de l'église qui fait la valeur de l'église. Ce n'est pas l'effectif. Mais le Seigneur veut voir combien de saints sont dans cette église. Combien sont prêts pour le ciel? Nous avons des cathédrales aujourd'hui. Une église climatisée. Nous avons tout. Mais spirituellement, nous sommes pauvres. Des gens meurent. Des maladies que le Seigneur guérit. Mais ils meurent. Ils meurent. Dans ces belles églises. Pourquoi? Le Seigneur est où? Il dit à l'église de l'Odyssée. Je te donne un conseil. Viens chez moi. Va, je vais te vendre les choses. Viens. Va. Je vais te vendre les choses. Je vais te vendre les vêtements. Pour que tu couvres ta nudité. J'ai trop nuit. Je vais te vendre du colis. Tu vas mettre dans tes yeux. Pour voir. Pour voir ce qui se passe. Quel danger. Quel danger nous courons. Nous avons du formalisme. Mais le fond n'y est plus. Voilà. La vie n'est plus. Nous nous contentons de nos biens matériels. Ce n'est pas ça que le Seigneur regarde. Le Seigneur veut voir une église vivante. Une église engagée pour le ciel. Des fidèles engagés. Des fidèles qui voient clair. Des fidèles bien habillés spirituellement. Leurs robes sont bien lavées. Le Seigneur veut voir son église impacter positivement le monde. Le Seigneur veut nous voir marchant dans la victoire, marchant de gloire en gloire. Le Seigneur veut nous voir
en train de sauter. Bah, mi ano tipo, le louant. Ano kafu, parce que ela bena, les malades sont venus. Tonova, et ils sont guéris. Ayo, potre, yo. Ils sont repartis guéris. Ayo, trois jours, il va prendre, yo. Des gens sont venus misérables. Ils sont repartis dans la joie. Ils sont partis heureux. C'est ce que le Seigneur attend de nous. C'est ça qu'il veut. Mais les Paul était là. Et il chassait les démons. Il priait. Les maladies étaient guéries. Par des mouchoirs. Sur eux qu'on dépose, on va déposer sur les malades, ils reçoivent la guérison. L'ombre de Pierre guérissait et chassait les démons. C'est quel Dieu ils ont adoré. Et lequel nous adorons aujourd'hui. Quand il prêchait l'évangile, les sorciers ne pouvaient pas rester sur place. Les jeunes étaient gênés. La parole les amenait à la repentance. Ils se convertissaient. Et des livres, des gens, des magiciens sont brûlés. Ils sont revenus à Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous disons? La Bible est-elle changée? Elle est la même. C'est la pauvreté morale et spirituelle qui a créé cette crise. Je vous invite à revenir à Dieu comme ce jeune homme est revenu à son père. Je vous invite comme Jésus invita l'église de Laodicée de venir à lui et de couvrir sa nudité. Voir mieux. Je vous invite. Venez à Jésus-Christ. Mais va Jésus-Christ au bon. Quittez la pauvreté morale. Quittez la pauvreté spirituelle. Et saisissez votre Seigneur. Attachez-vous à votre Dieu. Et il va œuvrer. Homme de Dieu, reviens à l'Éternel. Ne considère pas l'état de ton église. Ne pense pas que c'est rempli, c'est bien, il y a de l'argent. Non. Non. L'argent est là. Le diable a pris ça aujourd'hui pour nous aveugler encore. Et que nous mourons. Les fidèles meurent. Revenons à l'Éternel qui nous fera du bien. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde et que chacun de nous quitte sa pauvreté morale et spirituelle pour voir le Seigneur. Il t'attend. Elle était non à bras ouverts. Plaît assis le vous comme il a le papa a reçu ce jeune homme. A bien le yé vivre foi ho de capuyané. Et il s'est réjoui avec lui. Ayo pas de plaît. Lorsque nous allons venir, Dieu se réjouira. N'aimez trop de voir quoi ma ou grand la pas de job. Nous serons lavés. Ayo voir les dynamiques. Et la joie reviendra. Ayo dit je la trop de voir. On va prier. Mia dobeda. Toi qui es pauvre moralement. Oui que yé da elle se soumet là. Spirituellement. Et que les démons crient toujours. Et tu souffres. Aujourd'hui, reviens. Après la prière, reviens. Et dis à Dieu, Seigneur, je suis réellement pauvre spirituellement. Je suis réellement pauvre moralement. Je reviens à toi. J'accepte maintenant que je suis malheureux.
J'accepte maintenant mais l'officiation que je suis nu. Mais la maman, je suis aveugle. Mais quoi, j'ai bâton. Besoin de toi. Mais rien pour vivre. Mais non, ma j'ai bien. Besoin de toi. Mais rien pour marcher. Mais ma et si tu le dis et de tout ton cœur, le Seigneur étendra sa main. Il va t'embrasser. Tu ne seras plus pauvre. Alors, je demande à mon bien-aimé de prier que ma mère c'est Bédodora. Oh, à mes nouvelles, il faut mieux le dire à Penao. Yehoa, mieux le chanti coquenao. De wa mes nouvelles veille que y'a négawo, na wo dzukwa le kapopoya melata. Mao, ega Georginao, be négaso motata yava. Y'ke la pere wo dzukwa onti, be amesi amela doje si y'pe dofe y'ke wolea. Ne wa trova bo. Be y'a koke sino nuo. Et nous, il y a un peu de temps, mais il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Du coup, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a un voa o djonye benye nkwa gbaton o djonye benya hedala san menye o fo fifi o do jesi la fo fo mele gble tu koma katade asiyome mele biyo chok ba o bena o yi ke di adam na la oji ki abe hamea be vak bonye makpele nti o bena o ama mala la sonu so chwe la fo fo du koma o kata le nkwa mele kapopoya kema chova mama oji na o le yesu kristo po nkome amede yi ke gbanku gbagbome fo nkwa jipo fo nkwa ne le Yesu point comme arredada le sous me comme je peux de arredada mada le Yesu Christ point comme allez ben tu es béagila et que sinon nous va pas dominer nous yo que gomme yemi do la ni le Christ mais il continue moigne la blo ben ni ni dominer là au ple Christ là faut dominer nous mao mi atemani yo domé ne mi au onti do hena do on est qui fait amadi le connuit tomé faut le gars pour y amener fila. Ami ade ole senya ya, vwa ome jesi yesu o. Papa miye le dobe yada me ma ota. Miye le biyo chuk ba obe. Ale ime yon wade kagba klik be dodela yala. Nende pok papa yane fode ove ji ome. Bana wate ma do jesi be na. Ya yi osu si be yoye nou yala san. A ime ke yocho yesu fube. Vwa le gabo vwa yame la. O do jesi be yesu jiko yate ma to. Hafine yate ma konu le hike yame. Kena jipo fya dobe la me gegedo. A yata le gabo vwa ya. Fofo me dobe la le de kuku be na. Yesu pe vwa yine kodanyi. De amagbeto de si ade tala. Vumane le chine. Vumane klobe nkuvyoji. Bana wate ma konu. Le yesu kristo vwen kome. A ye ame yine le vwa me vifi jen yala. Le yesu vwen kome ya. Akbe ma vwa pe mwa. Ne vune jipo chawe pe nouveau kata treke le yesu kristo pe nkome amade ke le dobaji aye esu suibe ya no emenene achoye la le kapopo yame le yesu kristo pe nkome la ne kwebe doyoyo le yesu pe nkome amade ke gbogbovo yo chwen aye menya benu se le yesu me ne kude yesu ntia ya tema dogola le meola papa le kapopo yame ke ole senya ya me dogbe la bena le yesu kristo pe nou se ya noua. Ne croyez pas garder les nous c'est mon cata pas si mais faut appeler ben ne gâche garder de bâcler catutu fait nyaya sauvana au du coin ben on va nous nommer si mais tu vois nyam de la dé assis mais bah bah quoi gab blanc les gine les yesu point comme un que yo bon au mieux quoi c'est bena nous gao jagava na au du coin soto ya meaji les yesu Christo Nazareth tola fait une comme amen amen. Que Dieu vous bénisse. Maou Neirami. Et à la prochaine. Aye, mia gava dogoke. Si le Seigneur nous prête. Mais après toi, le minakbea. Shalom, shalom. Tifafa nami. Amen. Amen.
Yeah.